Et on se retrouve donc pour une sixième partie de cimetière. Je suis toujours avec Valentin. Hello, salut à tous. Salut YouTube. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Je suis très content. Yes. On va peut-être faire une séance un peu plus courte. On reprend après un long moment, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est déjà, c'est pas mal. Et du coup, avant de commencer, je te propose qu'on repasse vite fait en revue ta fiche de personnage pour revoir un peu ce qu'il y a dessus, comment ça Yes. marchait, les règles qu'on avait inventées à l'arrache, etc. Du coup, bah, j'ai ta feuille sous les yeux, tu as des stats absolument pourries en ce moment. Alors j'ai 15 de sagesse, sinon 10 de force, 10 de dextérité, 8 de constitution, 10 d'intelligence, 9 de charisme. Donc Ouais. globalement, bah on peut parler peut-être des règles à travers les caracs, peut-être pour commencer. Donc Si du tu coup, veux, ouais. on est toujours en mode quand je tente quelque chose que tu estimes risqué ou dangereux, tu me fais faire un test. Et pour la magie, on fait un test sous sagesse, donc je vais faire pas mal de magie probablement. Et donc j'ai des souvenirs chauds qui sont des souvenirs qui me permettent de faire de la magie. Alors j'ai un brasier rougeoyant dans les profondeurs du seuil, évoquant le réconfort et la sécurité, qui me permettent de lancer main brûlante. Et un autre souvenir, retrouver la surface après avoir ouvert la porte de cimetière, qui me permet d'utiliser passe-muraille. J'ai un autre souvenir chaud qui n'a pas encore de pouvoir associé, c'est mourir empalé au seuil de la forteresse profonde. Yes. Voilà. Et ben, alors, tant qu'on y est, je te propose d'ajouter un nouveau souvenir chaud Ouais. qui ressemblera beaucoup au deuxième, mais ce sera retrouver le soleil en sortant sur le rivage des idéalistes. Puisque c'était un truc qui est arrivé la dernière fois, c'est après plusieurs séances sous terre, et notamment un bref passage dans la forteresse profonde, qui est un lieu immonde et suintant, tu t'es finalement arrivé sur une plage dégagée, et tu avais retrouvé l'air libre. Ouais, tout à fait. Les dernières séances étaient très dures, si je me rappelle. C'était vraiment l'oppression absolue. D'ailleurs, il y a une section de domaine dépassé qu'on n'a pas fini de remplir. Donc il y avait le seuil, il y avait Morhaime, la seigneurie Balafré. Ensuite, il y avait le caveau. Je sais plus quel Ouais, était le nom le caveau exact. funèbre, ouais. Donc ces domaines, hein, c'est ceux qui sont dépassés au sens. Je considère qu'on les a suffisamment traversés pour qu'on puisse dire que tu les as. Comment dire? Ouais. Ils sont vaincus en un certain sens, que le boss soit mort ou pas. Et ça correspond à des montées de niveau, si je ne me plante pas. Ouais. Par contre, du coup, on n'a pas considéré comme domaine dépassé la forteresse profonde, vu qu'on y a passé juste un petit instant. D'ailleurs, en parlant de montée de niveau, j'ai un dé d'humanité DR4. Donc du coup, je peux encore mourir une fois, puis une autre et la partie se termine. Et j'étais au bord de la mort, j'ai 2 D8 points de vie, en ce moment 7 sur 9. Je suis niveau 4. Et mon suzerain est Seraph. Yes. Alors je crois que le suzerain, c'est un pan des règles qui va être surtout visible dans le jeu, dans le texte du jeu plutôt que dans la partie. Mais ce que j'ai en tête, je t'en parle comme ça, c'est qu'il est possible d'avoir certaines allégeances envers des êtres puissants qui peuvent t'offrir des pouvoirs en échange de certaines compensations, quoi. Ton lien avec Seraph, c'était le fait qu'elle t'avait donné la main noire. Je crois que t'as une espèce de chose noire qui remonte le long de ta main, n'est-ce pas? Ouais, Et qui me qui te permet permet. de ouais, d'absorber l'humanité des êtres, quoi, si je me rappelle. Ouais, et ça avait aussi corrompu ton épée. Quand t'avais commencé le jeu, t'avais une épée de feu, Ouais. dont le pouvoir s'était petit à petit tari. Et maintenant elle est noire et sombre, et elle fait la même chose, c'est-à-dire que quand tu la plonges dans quelqu'un, tu peux absorber son humanité. Donc c'est un moyen pour toi de remonter en humanité, ce qui te permet de survivre plus, mais ça implique de tuer des êtres humains, enfin des êtres vivants en fait, qui sont pas très très fréquents à ce tir. Voilà. Tu as aussi des souvenirs froids, qui sont des souvenirs qui sont reliés à des choses qui se sont passées avant ton arrivée à cimetière. T'en as deux et chacun est associé à un bonus de stats que tu récupères à chaque nouveau perso. Ça, je repasse vite fait dessus. À cause de ta main noire, tu as également une partie qui sont les mémoires usurpées que tu as. Les mémoires usurpées, c'est des gens dont tu as bouffé l'humanité et t'as trouvé la possibilité de, dans un certain sens, de fouiller dans leurs souvenirs.
Et t'en as qu'une seule pour moi qui est Riven, la rêveuse du caveau. Yes. Une fille un peu bizarre que tu avais que t'avais tuée pour récupérer son humanité. Et je regarde ton équipement, il y avait une nouveauté par rapport aux précédentes sessions, c'est que tu avais trouvé à la fin une armure de plaque usagée. Une grosse armure très... Ouais. Qui était à DR10. Donc, le dead risk pour une armure, pour rappel, hein, c'est autant de points de vie supplémentaires pour les combats. Par contre, si tu fais 1, 2 ou 3, bah, le dead risk diminue, c'est-à-dire que l'armure se désagrège, quoi. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour, a priori. Ouais, je remarque juste, il y a une section sur les noms que tu connais, il y en a deux qui sont importants. Il y a Monarch, qui est a priori celui qui détiendrait, en tout cas d'après les légendes, la première flamme, qui est l'objet de ta quête, en tout cas l'objet de la quête des gens ici. Ouais. Et il y a Racine, qui est le nom du personnage que tu as rencontré à la dernière session, vers la fin. Est-ce que tu peux me dire vite fait comment se sont passés ces derniers moments d'ailleurs avec Racine et comment tu envisages le temps qui est passé depuis? Alors ce sera à toi de me dire aussi, mais ce que je pense c'est que je suis resté sur le rivage et que je vais te donner mon objectif pour les semaines et tu me diras comment ça s'est passé peut-être plutôt que ça te va. Ça marche. Moi, mon objectif, c'est de rester pas mal de temps, donc probablement quelques semaines, à contempler le rivage, marcher sur la plage, dormir dans un coin de la baraque de Racine, éventuellement, chasser avec lui, trouver de quoi manger, s'il y a besoin, me réchauffer auprès du feu. Et éventuellement discuter avec lui, et donc tu me diras, mais voilà, d'apprendre un peu à le connaître, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a traversé, okay. Juste enclencher une sorte de petite routine silencieuse, tu vois, où on parle peu, mais on cohabite. Enfin, en tout cas, mon objectif. Très bien. Eh ben, ce que je te propose, c'est, je vais prendre 30 secondes pour me préparer, pour... rentrer un peu dans ma tête, et puis on va attaquer la fiction, et la première chose que je vais faire du coup, c'est te répondre un peu à tout ça. Yes. C'est bon. Et bah à partir de maintenant, du coup, 30 secondes, et puis j'attaque. Ici, sur le rivage des utopistes, avec Racine à tes côtés, tu as vécu pendant quelques semaines une vie un peu plus douce. Une vie très très silencieuse et très calme. Racine n'est pas quelqu'un de très loquace, même si elle est très agréable. Passé la première soirée, vous avez beaucoup sympathisé et discuté, il s'est fait étrangement silencieux. Mais toujours gentil, toujours agréable. Son histoire, il te l'a raconté plusieurs fois sans grand détail. Il est venu à un cimetière pour la quête, lui, pour le feu. Et d'une façon ou d'une autre, il a fini par décréter que c'était impossible. Il ne dit pas vraiment, il semble vraiment passer sous silence activement ce qui a dû se passer, ce qui a pu avoir lieu, mais il semble avoir été particulièrement marqué et traumatisé par ce qui s'est passé sous terre pour lui, car il a rencontré Rempart, le premier chevalier de Monarch et celui qui se terre dans la forteresse profonde. Et il t'a dit qu'il devrait sans doute un jour redescendre, que c'était son objectif en fait,
redescendre et retrouver Rempart pour régler des comptes. Mais que c'était une quête personnelle et que tu ne devais pas venir avec lui. Vous avez mangé, pas tous les jours, mais tu n'en as pas vraiment besoin et c'est seulement un bonheur quand vous avez pu trouver des épaves de bateaux qui s'échouaient parfois sur la plage. Les seuls dangers qui vous ont menacé pendant ces quelques semaines venaient de l'eau elle-même d'ailleurs, car parfois des naufragés se réveillent, des êtres, des morts-vivants qui reviennent. Toutefois, tu n'as pas eu de problème sérieux face à eux. Je te propose de remonter à 9 points de vie, donc c'est ton maximum actuel, hein, okay. Pour rendre compte du repos que tu as pu prendre ici. La grande étendue où vous vous trouvez, ce fameux rivage, il a essentiellement... Il y a deux sorties, en tout cas deux façons de s'en aller, que je dois te mentionner. Une première, je te l'avais mentionné, c'était un espèce de petit sanctuaire de pierre qui n'est accessible que par un pont de corde qui passe au milieu d'un ravin. Ce sanctuaire, Racine t'a déconseillé d'y mettre pied. Il y a des choses intéressantes, c'est même un endroit en fait qui recèlerait certains vieux secrets bien gardés. Mais c'est un endroit dangereux duquel un de ses amis n'est jamais revenu, en fait. Je te propose d'imaginer que tu n'as jamais mis le pied dans le sanctuaire, mais évidemment tu seras libre de le faire à partir du début de la fiction. Yes. Et sinon, si tu continuais à longer la plage pendant longtemps, pas dans la direction de laquelle tu es arrivé, mais dans l'autre au contraire, tu sais que tu atteindrais une petite baie et que là-bas, d'après Racine, il y aurait un accès vers la citadelle. La citadelle disloquée, qui est un endroit qui est la capitale du royaume. Et le passage obligé pour toutes celles et ceux qui veulent gravir jusqu'au château de Monarque. Là aussi, cependant, Racine t'a mis en garde. La citadelle est maudite. Et il est impossible d'atteindre le château. Les routes, les rues, l'agencement des bâtiments là-bas l'en empêche. Et il n'y a visiblement... Le château est au centre de la citadelle, mais il n'y a aucun chemin qui y mène. Et lui-même a erré assez longtemps entre ses murs et a bravé ses dangers, sans jamais trouver le chemin jusqu'à Monarque. Ça fait plusieurs jours maintenant que chaque soir... Racine te dit qu'il va partir, qu'il retournera dans la forteresse profonde et qu'il ne sera pas là demain matin, qu'il sera parti quand tu te réveilleras. Ça fait plusieurs jours que c'est faux et qu'il est toujours là, prétextant une mauvaise condition ou un mauvais pressentiment. Il s'est un peu décomposé jour après jour, il a été de moins en moins jovial, de moins en moins réceptif, jusqu'à une matinée où, en te réveillant au coin du feu, tu ne le voyais plus du tout. Ok. Je pense que je prends acte du fait qu'il est plus là. Je sors de la maison pour contempler un peu l'horizon. J'imagine que je ne le vois pas. Il n'est pas là, non. Devant toi, l'océan, avec ses carcasses de baleines éternellement pourrissantes. Derrière toi et sur les côtés, les immenses falaises qui montent bien trop haut. Et dans un coin de la roche, ce sanctuaire. Sur ta gauche, en longeant la plage, le passage vers la baie dont je t'ai parlé. Et parmi les carcasses devant toi, la baleine qui ramène à la forteresse profonde. Je pense que je vais rentrer dans la maison, empaqueter toutes mes affaires. Et je vais juste prendre le temps de prendre un morceau de papier et d'écrire une lettre pour Racine. Ce que je vais lui dire,
C'est racine. Je te remercie infiniment d'avoir passé ces repas avec moi. Je crois que nos discussions étaient très précieuses pour moi, mais ce qui était bien plus précieux encore était ces silences que nous avons partagés. Tu m'as dit que tu devais partir. Moi également, je dois partir, probablement pour trouver la mort. Dieu seul sait où, si Dieu existe encore. Je te fais la promesse de retrouver ton ami au sanctuaire. Et si rien d'autre ne me guide, j'irai trouver Rempart, en espérant t'y trouver également. Bien que tu dises qu'il est impossible d'atteindre ce château, j'aimerais pouvoir revenir avec la tête de monarque pour continuer à partager ces silences ensemble jusqu'à la fin du monde. Et je laisse la lettre et je pars en direction de la citadelle. Très bien. Tu longes donc la plage puis les falaises. Longtemps. À ta droite, les restes carcasses d'un vieux navire que vous avez pillé depuis longtemps. Tu avances et à force, après un long moment, la plage se fait de plus en plus fine. Devant toi, tu vois qu'elle finit par disparaître. Et là, c'est comme si la falaise gagnait sur le sable. Au-delà de disons, à partir d'un moment, au-delà de ce que tu vois, il n'y a plus de plage du tout. La mer donne directement sur les hautes falaises. Mais avant ce moment, tu arrives dans un passage qui est brièvement sous la roche, une espèce d'ouverture, une grande ouverture couverte, mais suffisamment illuminée par le soleil. Une grande baie de sable, où mouillent deux bateaux. Les deux assez petits, l'un richement décoré, avec le symbole du roi, et l'autre visiblement très abîmé, ayant traversé toutes sortes de tempêtes sans doute, et à moitié chaviré, brisé dans un coin. Ils sont devant toi, et à ta gauche, le chemin et le sable s'enfoncent un petit peu sous la terre, dans une espèce de très haute caverne. Et au loin, là-bas, il te semble distinguer quelques cordages, quelques affaires posées, peut-être un grand escalier dans la pierre. Je vais d'abord me diriger vers le bateau décoré. Je sors mon épée et j'avance le pas lourd vers le bateau. Je sens en moi un sentiment désagréable. Une sorte d'espoir mêlé de colère. Je crois que j'ai envie d'y retrouver racine. Je crois que j'ai envie de crier son nom. Et en même temps, je me déteste pour avoir ce sentiment. Mais quoi qu'il en soit, je continue en silence. Très bien. Le bateau en question est fait sans doute pour être opéré par une seule personne à la fois. Il est tout petit. Visiblement, le temps l'a quelque peu amoché, mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup mouillé. Peut-être n'a-t-il même jamais navigué. Tu trouves un compartiment avec à l'intérieur la place et de quoi vivre un petit peu. Ouais, y a une minuscule couchette. Quelques affaires éparpillées, pas grand chose. Visiblement, tout est empaqueté comme pour rendre un départ possible, un départ qui n'a jamais eu lieu. Et au fond de ces couchettes, dans un endroit, sous les draps, tu tombes sur un squelette. Ok.
l'espace de d'un instant, je pense que je regarde l'horizon et l'océan. Et j'envisage l'idée de mettre le bateau à flot et de partir. Je me rappelle la promesse que j'ai faite à Racine. Je pense que je ris un peu mécaniquement. Et je déchire les paquetages pour fouiller tel un charognard tout ce qui s'y trouve. De la corde, de quoi manger, des provisions comme des biscuits, des choses comme ça. Également des ce qui semble être une grosse boussole en soie, comment dire, incrustée dans le bois directement. Des placards essentiellement vides, peut-être pillés même. Aucune arme. Et un petit peu de matériel de navigation. Il y a une longue vue notamment, un compas. Je vais avidement m'emparer de la corde, des provisions, la boussole, la longue vue. Et je regarde les provisions avec les biscuits. Je pense que j'en prends un. Et je m'approche du squelette pour placer le biscuit dans l'entrebâillement de sa mâchoire. Probablement que ça tient pas et que ça tombe. Et... Oui, en effet, oui. Je regarde ça. Immobile, quelques secondes, minutes. Le squelette est donc il est tout au fond d'une espèce de couchage, comme je te disais. Et il semble. La position dans laquelle il est recroquevillé te semble un peu étrange. Il est comme. Plaqué contre une planche, contre le mur en fait, la paroi disons plutôt. Les deux mains posées dessus, comme s'il y avait quelque chose qui le rassurait à toucher le bateau comme ça. Je me détourne. Je sors du bateau. Avec le sentiment net d'avoir violé quelque chose. Et je vais m'approcher du second bateau que tu m'as cité. Celui-ci aussi a été vidé. Il y a quelques affaires qui restent, mais ce sont visiblement des choses qui ont été abandonnées là. Il est un petit peu particulier ce bateau. Il a un mât, des voiles, mais pas de rame par contre. Et il y a une sorte de... Toute la partie arrière du bateau est métallique. En tout cas, elle est prise dans une espèce de machine métallique. Elle exude des odeurs d'huile et de charbon. Et d'ailleurs, une des rares choses que tu trouves, c'est un petit flacon d'huile. Et du matériel de mécanique, tu trouves des vis, des écrous, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu es très familier avec de tels objets. Je pense que pas trop. Je vais prendre l'huile. Mais c'est tout. Je vais aussi faire quelque chose. Est-ce que la voile du premier bateau porte un signe distinctif? Tu m'as dit il y avait les insignes du roi, oui, c'est ça? Oui. Qu'y a-t-il sur la voile? Elle est simplement. Elle doit être rouge ornée d'une grande flamme. Ok. Bah du coup ce que je vais faire, c'est que
Avec mon épée, je vais découper la voile. Et m'en servir comme d'une une sorte de long manteau. En rabattant sur mon torse avec une cordelette ou quelque chose comme ça. De manière à porter l'insigne de la flamme. Ok. Et ainsi drapé de rouge, je descends dans la caverne. Alors, ce n'est pas vraiment un endroit où l'on descend. En fait, la plage continue sous la terre, mais ouais. Elle monte même plutôt. Là-bas, tu vois, après quelques dizaines de mètres, une ouverture dans la roche, un assez large escalier, avec une rampe à côté, comme pour pouvoir passer des affaires. Quelques caisses éventrées et vides. L'escalier n'a pas l'air de monter beaucoup plus loin. Il amène à une autre anfractuosité un peu plus haute, un peu large. Et de là où tu es, tu distingues des cordes. Ok, bah je vais m'approcher lentement, l'épée au clair, dans la main droite. Et voilà, fouiller un peu l'environnement et m'approcher de cette issue, si j'ai bien compris. Oui, l'endroit est nu et désert, il n'y a pas grand chose ici. C'est visiblement un petit recoin du monde un peu abandonné. Et après avoir monté l'escalier un petit peu plus loin, tu arrives à la fin de cette espèce de caverne et sur une plateforme de bois, surplombée par un immense puits et des cordes qui pendent. Et ça ressemble à une sorte de monte-charge. Je vais donc ça monte hein, c'est ça? Ouais. Je vais tirer sur les cordes assez vigoureusement pour voir si elles sont solides. Il y a quatre cordes qui attachent la plateforme de bois aux quatre coins, à celles qui ont l'air tendues. Et une autre corde au milieu qui tend, qui pend plus de façon un peu plus lâche. Laquelle as-tu tiré? Celle qui pend plus lâchement, peut-être. Quand tu le fais, tu entends, tu sens une espèce de vibration sous tes pieds. Et la plateforme se met à s'élever. Ok, bah je vais continuer à tirer en restant bien crampé sur la plateforme, en répartissant mon poids pour éviter que le bois souffre trop. Le bois est un petit peu ancien et pourri et tu sens effectivement, tu as une certaine peur que qu'il se brise ou qu'il se fracasse d'une façon ou d'une autre. Mais l'ascension continue dans une espèce donc de long tunnel vertical qui est quelque peu illuminé par plusieurs ouvertures dans la roche qui donne sur le ciel. Et après presque une minute de montée, tu finis par arriver là-haut dans une sorte de petit bâtiment de pierre avec une porte qui est barrée de l'intérieur. Ok, bah je vais stabiliser le monte-charge. Je vais vérifier que tout est en place, tu vois, au cas où j'ai besoin de redescendre. Et je vais tenter d'ouvrir. Donc barrer de l'intérieur de mon côté, c'est ça hein? Oui. Bah écoute, je vais ouvrir. L'épée à la main, toujours. Sur mes gardes. Quand tu ouvres la porte, tout est très lumineux. Tu as devant toi une voie bardée de colonnes blanches qui supporte une espèce de petit toit qui sert de. Ouais, qui en fait une espèce de galerie couverte. Boum ! Tu es sur une sorte de petite plateforme. Il y a une rampe à côté de soi, pas grand chose de plus.
Et cette galerie devant toi mène à une sorte de complexe, un grand bâtiment, avec également des ouvertures avec des colonnes comme ça, et puis des portes qui ont l'air de donner vers l'intérieur. Plusieurs accès sur la gauche, sur la droite. Tu es très haut, et en fait, sur les côtés à ta gauche et à ta droite, quand tu regardes, tu distingues tout un pan du pays. Tu vois la forêt et au loin la seigneurie du Morheim. Et tu as un petit peu au-dessus de toi les nuages, mais pas beaucoup plus haut que cela. La galerie devant toi semble donner vers un amoncellement d'autres maisons comme ça, donnant quasiment sur le vide, organisées en cercle autour d'une immense masse que tu devines montagneuse, sur plusieurs niveaux. Il y en a qui sont en dessous de toi, tu es à un niveau à peu près intermédiaire. Et les niveaux supérieurs de cette cité se perdent dans les nuages. Bienvenue dans une nouvelle zone qui s'appelle la citadelle disloquée. Je pense que je suis assez comment ? Je suis assez affecté en fait par cette vision. Je crois que c'est la première la première amoncellement architectural aussi vaste que je vois dans ce cimetière. Et je pense que je suis pris l'espace d'un instant de vision imaginaire des gens qui pouvaient parcourir ces lieux. Et je reste silencieux quelques instants. Et quand je reprends mes esprits, je pense que j'observe en fait tout ça. J'observe les maisons, tu vois, un peu une par une. Je regarde les ouvertures, les entrées, les murs. Du coup, je voudrais savoir, par exemple, quel type de pierre c'est, quelle couleur, est-ce que l'architecture est assez unie ou pas ? Est-ce qu'il y a des ruelles ? Est-ce qu'il y a des bâtiments plus grands que d'autres ? Ou est-ce qu'ils sont tous de la même taille, tu vois ? Enfin, je sais pas si t'as des éléments qui se distinguent, quoi. Ouais, là, à peu près tout est dans une espèce de pierre blanche qui te semble être vraiment éclatante au soleil. On dirait du marbre, à moins que ce ne soit autre chose, mais ça a l'air assez uni, effectivement. L'architecture aussi est très 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 unifiée. Tu vois partout ces espèces de colonnes. Des espèces de... Il y a des galeries qui sont des colonnades un petit peu partout sur l'extérieur. Certains accès rentrent à l'intérieur et tu en vois des suffisamment larges et immenses pour te faire comprendre qu'une partie de la citadelle doit être doit rentrer à l'intérieur de la montagne. Et être donc la citadelle semble être à moitié troglodyte en fait. Du reste, tu aperçois de nombreux chemins qui montent, qui descendent d'un niveau à l'autre, des passerelles pour aller d'un bâtiment à un autre, un peu au-dessus du vide. C'est un amoncellement un petit peu chaotique. Les bâtiments en eux-mêmes semblent assez indistinguables. Il y a très peu de fonctions qui te semblent apparentes. Tu vois pas vraiment de distinction entre une habitation, une caserne, quoi que ce soit. Et ça a l'air d'être un sacré labyrinthe. Tu vois bien que il n'y a pas du tout de lecture claire. Dans la mesure où la pile n'est pas du tout étendue sur un plan en deux dimensions, elle est... Il n'y a rien qui semble ressortir comme une grande voie, un hub central ou quelque chose comme ça. Et après un petit peu de temps d'observation, quelque chose d'un peu étrange qui finit par te toucher. Les choses n'ont pas l'air d'être... Il y a un peu trop de chaos et parfois un peu trop de torsion. C'est-à-dire que par endroit, la pierre a l'air d'être tordue. Les chemins suivent des voies vraiment étranges. Certaines passerelles ont l'air presque inempruntables. Des maisons sont toutes tordues comme s'ils avaient à moitié fondu. Et le tout donne une impression très étrange, comme de regarder une illusion d'optique, un petit peu... un peu impossible, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du lieu dans lequel je suis, notamment parce que je veux...
Ajouter une entrée sur la feuille de personnage, c'est domaine actuel, tu vois, il y a domaine dépassé. Ouais, tu es dans la citadelle disloquée. Ok, merci. Eh bien, je vais, je pense que je vais avoir comme objectif de me rapprocher d'une entrée qui s'engouffre dans les profondeurs, et donc de marcher dans la citadelle, voilà, en essayant d'avoir un point de chute. J'imagine que ça va être compliqué de m'orienter. J'utilise, je pense, la boussole pour pas perdre trop le cap. Eh bien, la longue vue aussi pour essayer de repérer les chemins, tu vois, qui pourraient être empruntés. J'imagine que ça va être compliqué, mais voilà, j'essaie de pas perdre mon orientation. Ok. Tu as donc traversé la première galerie face à toi pour atteindre du coup le cœur de la citadelle en elle-même. Comme je te disais, tu es à peu près à un niveau intermédiaire, donc à partir de là où tu es, tu peux tenter d'aller sur ta gauche ou sur ta droite, ce qui te permet de faire le tour de la citadelle à peu près là où tu en es, sachant que certains des chemins que tu vas trouver montent, d'autres descendent, donc c'est pas certain que ça restera à peu près au même niveau. Ou tu peux trouver de là où tu es un chemin qui semble s'enfoncer à l'intérieur de la montagne, donc dans une zone sans lumière. C'est partout autour de toi cette espèce de ces enchevêtrements de passages et de colonnes qui semblent presque prendre la place des bâtiments en eux-mêmes, c'est-à-dire que comme si la citadelle était principalement constituée de chemins et non vraiment d'habitations en fait. Et un détail qui te... L'endroit est assez, assez sobre, assez dénué, malgré le reste. Mais ce qui saute aux yeux, c'est sur une espèce de petite esplanade où tu viens d'arriver, un socle avec une statue blanche d'une sorte de chevalier qui tient son arme dans une pierre blanche éclatante, quoi. Dans une posture assez noble, tu vois, assez gardienne. Ouais, je vais. Je pense que je vais me stopper au moment où je vois la statue. Et je réfléchis, mais j'ai un diadème avec moi dans mon équipement. Ah oui. Tu te souviens où tu l'avais obtenu, comment tu l'avais obtenu ? Non, je me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, je le prends, tu vois. Je rengaine mon épée. Et avec une démarche humble, la tête baissée, je dépose le diadème en offrande au pied de la statue. Ok. Ensuite, je vais continuer à contourner la place, faire le tour et tenter de monter tout en suivant cet objectif de m'engouffrer dans les profondeurs. Est-ce que tu peux préciser ? Je comprends pas. Bah, est-ce qu'il y a des chemins qui montent depuis cette place ? Oui, mettons que le chemin sur ta droite, c'est une espèce de promenade qui a l'air de monter légèrement, quoi, en tournant autour de la citadelle. Ouais. Ouais, je vais l'emprunter, ouais. Toujours en gardant trace de mon chemin. Je pense que ouais, un truc que j'aurais pu faire, bon, j'ai pas le. Bah, je me dis que j'aurais dû prendre de quoi faire un plan, en fait. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Une fois que tu es engagé dans cette espèce de promenade, l'endroit te semble moins twisté, moins distordu que ce qui t'avait semblé. C'est un chemin qui monte tout doucement, quoi, avec une douce pente.
sur le côté, tu as une ou deux ouvertures vers des petites maisons. Dont la porte n'est pas exactement alignée avec le chemin sur lequel tu es. Ce qui est un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il faudrait crapahuter une trentaine de centimètres pour les atteindre. Il n'y a rien de difficile, c'est juste... ça n'a pas l'air très pratique, quoi. Le chemin lui-même est, comme les autres, bordé de colonnes et supplémenté d'une sorte de petit toit. Et le toit en question est fragilisé par endroits. Certains endroits, certains morceaux sont en ruine, certaines colonnes sont tombées. Et à peu près à mi-chemin de ta progression, il y a une espèce de cri affreux qui vient du toit derrière toi. Et par une ouverture, il y a une sorte de personnage qui te regarde. Je pense que je me retourne, je m'immobilise. Je lève les mains en signe de non-agressivité, tu vois. Et je scrute la personne qui est à l'origine du cri. Elle se tient sur le rebord, accroupie à quatre pattes au-dessus de toi. Et il y en a une deuxième qui la rejoint juste à côté. Ce sont des morts vivants. Leurs visages sont détruits depuis longtemps. Et le premier porte un casque. Un casque qui évoque des souvenirs diffus mais qui vient de très très loin d'ici. L'autre porte une sorte de... des vêtements bouffants, un sarouel. Et les deux dépareillent beaucoup par rapport à cet endroit-là. D'instinct, tu les sens comme extérieur. Et ils te regardent avec un air à la fois féroce et terrifié, en montrant les dents. Et quelque chose de très, très bestial dans leur attitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser les mains lentement pour avoir la possibilité de dégainer mon épée si besoin, tu vois. Je place ma main droite très légèrement sur mon flanc gauche et je m'empare du pommeau de l'épée. Il sursaute. Ok. Je fais des gestes très très lents et je me déplace centimètre par centimètre sur le chemin pour m'éloigner d'eux. À force de monter, la trouée qui te permettait de les voir devient de plus en plus exiguë jusqu'à disparaître, et tu ne les vois plus. Ils ont continué à maintenir ton regard... ils t'ont regardé, quoi. Ils ont maintenu le contact visuel jusqu'à ta disparition. Et dès l'instant où tu avais bougé, tu as entendu des petits grattements, et ils se sont visiblement partis autre part, quoi. Ils ont disparu. Ok. Je pense que je vais regarder tout autour de moi quand je monte. Mon cœur se met à battre très vite. Et je regarde les embrasures de chacune des maisons, tu vois, et je balise tout en montant. En montant, la promenade sur laquelle tu es s'éloigne un petit peu de la citadelle. C'est pendant quelques instants, c'est une espèce de grand ruban de pierre fluide qui s'éloigne avant de revenir au milieu du vide. La montée est d'ailleurs un petit peu plus ardue, ce qui peut presque être un peu effrayant. Et en regardant vers la citadelle, tu as une belle vue des niveaux supérieurs. Tu dirais que de là où tu es, il y a au moins deux anneaux, quoi, deux niveaux supérieurs, et au-dessus, ça se perd dans les nuages. Mais avant de se perdre dans les nuages, ça semble se resserrer beaucoup. Et souvent, ton regard est attiré par des figures humanoïdes, quitte à te faire un peu peur, mais la plupart du temps, ce sont des statues blanches qui ressemblent parfois à ce chevalier que tu as vu à l'avant, mais parfois à d'autres, toutes sortes d'autres personnages. En robe, en habit de ville, en armure, portant des armes ou d'autres objets plus ou moins représentatifs, dans toutes sortes de poses. Il y a plusieurs endroits, y compris complètement inaccessibles, qui sont ornés par de telles statues. Et ton regard n'arrive pas à se calmer en ce que
figures humaines te semblent être un peu partout, à cause de ces statues. Et t'as quand même semblé en distinguer une qui a bougé. Très loin, un peu sous une ombre, et un peu trop sombre pour être faite de pierre blanche. Tu as vu une sorte de figure qui se tenait verticale et qui a bougé, qui est partie en te voyant. Elle semblait avoir une armure, en tout cas des morceaux d'armure et des épaulières particulièrement massives. C'est bien un détail que tu as remarqué de cela, ce sont ses épaulières. Et elle n'avait rien, en tout cas, de la bizarre bestialité de ces deux êtres à quatre pattes que tu as vu tout à l'heure. J'hésite quelques instants. Je regarde les nuages. Et je continue mon ascension. Pour monter, quoi. Toujours plus haut. Mmh. Je pense que je jette des regards en direction de là où est partie la créature quand j'atteins ce niveau, si j'y vais, en tout cas. Tu finis par atteindre une espèce de petite plateforme et la voie que tu as empruntée ne va pas plus haut. Sur les côtés, des accès vers des bâtiments, donc des bâtiments qui s'enfilent les uns et les autres, qui ont l'air d'être reliés au loin par des passerelles. Sur la gauche ou sur la droite, donc elles enserrent ce nouveau niveau où tu viens d'arriver. Mais il n'y a pas de moyen de monter plus haut à partir de là où tu es. Il doit y avoir également un accès qui rentre plus vers visiblement le cœur de cette montagne. Je vais emprunter celui-ci pour rentrer, pour voir où ça donne, en tout cas. Ouais. Une fois entré, il te faut un petit instant pour que tes yeux s'habituent parce que le passage est assez étroit et la luminosité est beaucoup plus faible. C'est un couloir assez nu, assez direct. Au-dessus de toi, des espèces de grands, d'immenses chandeliers de métal qui sont éteints. Et sur les côtés, à gauche et à droite, une ou deux ouvertures vers des intérieurs, évidemment des maisons. Et devant toi, ça a l'air de continuer assez loin jusqu'à un endroit très lumineux. Tu vois guère que de la lumière venir et pas de... Tu n'as pas une idée précise de ce qu'il y a là-bas. Avant que tu n'entres dans ce grand passage, tu t'es arrivé sur cette plateforme, je te le disais. Et une des choses qui se distingue aussi, c'est que de là où tu es, tu vois les toits des niveaux inférieurs. Et notamment, tu peux apercevoir de là où tu étais la trouée par laquelle tu as vu ces deux personnes qui ne sont plus visibles du coup. Je pense que je rentre dans le passage avec un sentiment mixé de soulagement mais aussi d'anxiété. Je vais caresser en marchant délicatement les immenses chandeliers, en imaginant le couloir plein de lumière. Et je me fixe sur celle qui vient de l'autre bout du couloir, en marchant assez lentement. Et je suis très attentif à ce que je peux entendre en avançant. Quelques pas devant toi pendant que tu es en train d'avancer. Il y a une petite ouverture sur la gauche, comme je t'en avais décrite quelques-unes, qui semble être bloquée par un meuble, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté de cette ouverture, tu entends des espèces de chuchotements, de petits grattements, des choses comme ça, de l'activité d'êtres qui ont l'air d'être en train de communiquer. Je pense que je vais m'accroupir. Mettre la main sur mon pommeau et continuer à écouter, voir voilà, si ça continue,
Je reste quelques instants, quoi. Ok. Ça continue, et les voix semblent s'affoler petit à petit. Et au bout d'un moment, pendant que tu as été silencieux, donc, il y a un bruit de raclement et la masse de bois qui bloque l'ouverture de la porte se dégage légèrement. Et tu vois une tête se sortir de là, portant un casque, sans doute le même que tu as vu tout à l'heure, et qui te repère et qui rentre la tête immédiatement. Ok, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me relever. Ah, je sais pas. Ouais, je vais me relever. Je vais repousser le meuble. Et partir en bon train. Je comprends pas trop. Attends. Bah, oui, parce que c'est un... Ouais. Bah, le meuble, en fait, semble bloquer l'accès qui est, je pense, de 3 mètres devant toi, quelque chose comme ça. Ouais. Ils sont de l'autre côté, ils l'ont déplacé un instant pour passer la tête. Ouais. Et est-ce que toi, tu avances jusqu'à cette ouverture-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Ah oui, c'est d'accord. Ça, ouais, tout à fait. Ok. Je pensais que j'étais plus près, mais ouais, j'avance jusque-là, ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Bah du coup, regarder ce qu'il y a de l'autre côté, déjà. Bah, tu peux le voir à travers une petite ouverture, disons que le meuble, visiblement une espèce de grande commode, ne bloque pas complètement. Mmh. Une petite ouverture par le bas, qui est là où il a passé la tête. Mais regarder par là en détail demande de s'accroupir et se mettre dans une position assez vulnérable, quoi. Ouais, alors on va éviter. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, ça c'est... Est-ce... Donc pour bien clarifier, ça c'est une sortie latérale, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais. Bah en fait, l'idée c'est de repousser du coup le meuble pour éventuellement bloquer là où il est passé par où il a passé la tête, pas forcément le verrouiller ni rien, mais juste le repousser quoi. Mmh. Et repartir dans la direction inverse. Ressortir de ce passage ? Bah en fait moi je voulais aller au bout du passage. Ah oui, aller au bout, ouais. Ok. Ouais. Ça marche. Donc t'as juste essayé de remettre le truc en place, c'est ça ? Ouais. Ok. Très bien. Derrière toi, pendant que tu continues à avancer, tu entends à nouveau cette espèce de chuchotement, de raclement. Et une fois à nouveau, le bruit du meuble que l'on réajuste, que l'on déplace légèrement pour passer. Tu continues jusqu'à la lumière. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais checker régulièrement derrière moi, quoi. Hmm. L'épée au clair. En avançant, okay. Et tout en regardant... quoi, mes arrières, quoi. De temps en temps, tu vois juste une tête qui sort et qui te regarde avancer. Et à un moment où tu t'es de plus en plus rapproché de l'ouverture vers la suite, quoi, la pièce centrale de cette montagne, tu as vu qu'ils sont sortis. Ils sont deux dans le passage. Et ils sont toujours au niveau de l'ouverture, ils s'approchent pas vraiment de toi. Mais ils sont sortis, quoi. Ils ont l'air peureux et ils sont voûtés, ils se tiennent... ils se tiennent au mur, mais ils ont l'air d'être très hésitants et un peu tremblants. Je pense que je continue inquiet, quoi. Et voilà, je les laisse sur mes talons, tout en jetant des regards ostensibles pour leur faire bien comprendre que je les ai vus et que mon épée est tirée. Hmm. À la moindre petite inflexion que tu fais comme ça, petit signe, ils ont l'air de tressaillir et de sursauter. Tu vas continuer du coup ? Ouais. Très bien. La pièce dans laquelle tu arrives est monumentale. C'est une espèce de gigantesque œuf en creux dans l'intérieur de cette montagne. Colossalement haut. Et la première chose qui te frappe, c'est l'espèce de douche de lumière dorée qui enveloppe l'endroit.
à de nombreux endroits par nos nombreux orifices tombent des rayons de soleil très intenses et qui donnent à cette pièce au moins autant d'éclat que si elle était illuminée par le jour même. Sur les côtés, sur les parois qui semblent faussement naturelles mais qui sont savamment taillées en réalité, il y a des petites rigoles qui font passer des minuscules rivières, en fait, des petits ruisseaux. Et il y a tout un cercle de... Enfin, le parterre tout autour de toi est occupé par des fleurs et des plantes, surtout là où il y a des taches de lumière. Et tout ça est assez luxuriant. Il y a un vent frais avec une odeur assez agréable qui traverse l'endroit. Et presque caché par toute cette flore éblouissante, il y a au centre de la pièce un escalier monumental, assez étrange. Un gigantesque escalier de bronze, qui dans ses dimensions rappelle beaucoup celui du seuil. Et qui est extrêmement... Je retrouve pas le terme, mais il est très très raide, tu vois. Les marches sont très courtes et montent d'énormément à chaque fois. En fait, tu doutes de pouvoir les enjamber, on se dirait visiblement qu'elles doivent être quasiment escaladées chacune. Cet escalier travers, donc il est cerclé, il y a une espèce de grand cercle au cœur de la pièce, avec cet immense escalier qui monte vers des hauteurs peu claires, mais qui descend également. En fait, on accède à l'escalier par des espèces de petites passerelles de métal qui le rejoignent sur le flanc, mais l'escalier semble aussi descendre dans les profondeurs. Parce que je suis à quel niveau de cet énorme œuf intérieur ? Je suis au rez-de-chaussée Au milieu, à peu près. Ok. Je vais m'approcher un peu de la passerelle pour regarder en haut et en bas et tout autour de moi, voir s'il y a trace de vie ou quoi que ce soit, quoi. Alors... En inspectant un peu plus la pièce autour de toi, effectivement, trace de vie, tu vas trouver dans un coin planqué près d'une sorte de petit arbre, une tente et quelques affaires, des couvertures, des carquois contenant des carreaux d'arbalète. Et c'est à peu près tout. C'est vaguement dissimulé, mais pas plus que ça. Ouais. Ensuite... Donc pour pouvoir trouver ça, il a fallu que tu circules un petit peu hein, dans cette espèce de grand jardin. Ouais, ouais. Y a un détail qui est un peu étrange que tu as très vite dû remarquer, parce que c'est pas vraiment dissimulé. À propos de ces fameux de cette lumière qui tombe partout dans l'œuf, contrairement à l'impression qu'elle peut laisser au début, il n'y a pas d'ouverture qui donne sur l'extérieur directement. Mais il y a un jeu de miroirs fixés en hauteur et qui montent dans des espèces d'immenses colonnes creuses à la verticale, qui a l'air de faire venir la lumière du soleil de là-haut, comme si le zénith entrait toujours par ces tubes, entre guillemets. Donc la lumière qui vient d'ici n'est pas directe, en fait, elle vient par un jeu de miroirs, à plein d'endroits différents. En fait. Okay. Je pense que je vais laisser le carquois et le petit campement intact. Je vais me servir de la longue vue pour voir ce que je peux voir des hauteurs et des profondeurs. S'il y a quelque chose que je peux apercevoir ou si c'est trop les peu profondeurs. Clair. Alors si on descend l'escalier. On atteint visiblement deux autres niveaux qui ont l'air assez semblables à celui-ci, que tu devines pouvoir communiquer avec les étages inférieurs de la cité. Ouais. Si on monte, visiblement on doit pouvoir accéder à un étage supérieur comme celui-ci,
Ce qui fait qu'il y a un total de 4 jeux de passerelles. Ouais. Il y a 2 passerelles à ton niveau, 2 passerelles au niveau d'au-dessus, et 2 passerelles pour chacune des 2 niveaux d'en dessous. Et au-delà de ça, l'escalier continue à monter. Et il monte visiblement à l'air libre, mais les hauteurs se perdent dans des nuages d'un blanc laiteux très, très lumineux. Ouais. Bah, je vais ranger la longue vue, ranger mon épée. Je pense que je vais prendre un biscuit de mes provisions pour réchauffer mon cœur, je pense. Et commencer l'ascension en montant, en assurant ma prise. Et en faisant ça à mon rythme, tu vois. Si ça doit prendre 5 heures, ça prendra 5 heures, tu vois. Très bien. Alors l'ascension en elle-même, ça pourrait prendre un certain temps, effectivement. Ce qui te rend la chose particulièrement pénible, c'est ton armure massive qui rend l'escalade particulièrement difficile, quoi. Tu dois monter 30 kg d'acier à chaque marche. Et effectivement, ça va prendre un certain temps. Donc tu es. Les marches, elles sont vraiment minuscules en termes de place. Quoi. Il y a de quoi s'y tenir sans trop de mal, mais guère plus. Et à chaque fois, il faut escalader la suivante. Et tu te lances dans l'ascension. Tu dois être à mi-chemin entre ce niveau-là et le niveau supérieur quand tu repères du mouvement en bas. Enfin, tu entends surtout les choses qui bougent. Et tu vois. 3 personnages qui envahissent le jardin duquel tu viens. Le type avec son casque, le type avec des grands vêtements flottants, et une troisième qui a l'air de porter une lance. Le premier avec son casque, une espèce de casque étrange fait de cornes peut-être, une espèce de cornes reliées entre elles par des maillons d'acier. Il fait signe aux autres, il te pointe du doigt, les autres te regardent. Et rapidement, ils investissent tous les trois les petites passerelles et ils commencent à monter vers toi. Ouais. J'ai mis combien de temps à monter jusque-là? Peut-être une demi-heure. Ouais. Et eux, est-ce qu'ils ont l'air de monter vite? Oui, beaucoup plus vite que toi. Clairement, toi, tu étais plutôt en mode marathon, eux, ils sprintent. Et ils sont assez légers, visiblement très très habitués à crapahuter. Et dans quelques minutes à peine, ils vont te rattraper en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, je réfléchis. Comment est foutu l'escalier? Est-ce qu'il y a une sorte de rambarde ou un truc comme ça? Absolument pas. C'est vraiment des espèces de parallépipèdes de bronze posés fixes les uns sur les autres, quoi. Ok, ça marche. Ouais, je vais sortir mes dagues, parce que j'ai 2 dagues. Et je vais les attendre. Et mon objectif, ce sera que dès qu'il y en a un qui est à portée, je lance la dague dans sa direction, quoi. Ok. La première et la deuxième, et après, je tirerai mon épée. Ah oui, non, un autre truc aussi, c'est que je déverse le flacon d'huile sur une des marches. Genre à 2 marches après moi, quoi. Ok. Et je prépare les 2 dagues. Alors, ils ont fait des signes, ils arrêtent pas de te regarder, ils échangent des mots dans des espèces de grognements ou dans une langue un petit peu étrange. Pas très 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 saccadé, quoi. C'est toujours une ou deux syllabes, jamais, jamais plus. Et dès l'instant où t'as sorti les dagues, ils les ont vus, ils les ont pointés du doigt, ils les ont remarqués. Visiblement, ils s'y attendent, quoi. Tu remarques tout de même qu'ils ont aucun des 3 ne semble avoir de bouclier. Et en termes d'armure, ils sont très mal vêtus, quoi. Il y a un casque, peut-être. Une qui a la selle avec une lance, un bout de côte de maille, mais à moitié bousillé. Et ils continuent leur ascension. Et quand ils sont
3 ou 4 marches en dessous de toi, est-ce que tu tires ou est-ce que tu attends un peu plus? Bah si je pense que... Alors si je pense que je peux pas être plus précis que ça, ouais, non, 3 ou 4 marches, je tire. Les deux dagues. Okay. L'une après l'autre. Bah, tu vois qu'ils ont commencé à se regrouper, à faire un truc. Donc t'as tiré, tu tires ta première dague, je te laisse faire un jet d'attaque avec la dextérité. Donc j'ai en dextérité 10. Donc 1 des 20, ça. Hop. Ouais. 2, ça passe. En dégâts, on va dire que c'est 1 des 6. 4, ça a des bons jets. Très bien. Ta dague se fiche dans la gorge du premier. Il tombe avec okay. Une espèce de bref cri et il s'effondre en tombant de marche en marche. Quoi. Ok. Bah, je continue. Deuxième dague. Alors pendant ce temps, tu vois que la... ouais. En fait, le deuxième a attaché une corde autour de la lance de la fille. Et elle s'en sert comme d'un javelot et elle le projette dans ta direction. Ok. Ok. Bah, je vais pas tenter d'esquiver, parce que ça peut mal se passer. Donc je vais tenter vraiment de protéger avec les... Enfin, de dévier le javelot, quoi. À cette distance-là, elle te touche. Un coup assez violent qui te fait 4 points de dégâts. Ok, alors j'ai mon armure. Donc je me... 1 des 10, c'est ça, ouais. DR. Ah non, putain. Du coup, elle tombe la DR8 et elle encaisse qu'un seul point de dégâts. Ouais, sur les 4, donc je perds 3 PV, je passe ouais. À 6. La double peine. Ouais, c'est clair. Ok. Très très bien. Du coup, ce que je fais, c'est que... Donc, est-ce qu'ils sont sur la marche imbibée d'huile? Non, ils sont deux marches en dessous. Deux marches en dessous. Bah, du coup, j'essaie de très lentement monter une marche, tu vois. Mais surtout de jeter la deuxième dague, quoi. Ok. Non, attends. Non, je vais m'emparer de la lance. Et je vais tirer toutes mes forces. Je vais te demander un jet de sauvegarde en force, du coup, pour réussir à l'arracher, ouais. Parce qu'eux, ils essayent de la tirer, évidemment, avec leur corde. 5, ça réussit. Ok, bah t'as tiré la lance, t'as arraché la corde qui venait avec, quoi. Celle qui la tenait titube un instant, elle se raccroche difficilement à une démarche de bronze. Et pendant ce temps, l'autre a recommencé l'ascension et est en train de monter vers toi. Ouais, alors du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la lance. Dans les mains, tu vois. Donc du coup, il recommence l'ascension dès qu'il fait signe de monter sur la marche imbibée. Quelques secondes avant, à peine, je me concentre pour lancer une main brûlante pour embraser la lance et la corde et la jeter sur la marche en question. Ok, ouais. Tu as l'idée? Bien sûr. Bah du coup effectivement il vient de mettre les mains sur la marche huileuse. Il prend une. Visiblement il a remarqué que c'était huileux, donc il prend une grosse prise, il prend la surface et il a l'air de s'en sortir à peu près, il est en train de essayer de monter. Ouais. Je te laisse lancer ton sort, ça te demande de réussir la sagesse et de perdre un point de vie si je ne me trompe pas. Ah putain, j'ai raté. Donc 5 PV. Quelques flammes ont dansé autour de ta main et tu n'as pas réussi à enflammer la lance en elle-même. Par contre, en voyant ça, la fille qui est restée en bas, elle hurle un truc. Le type qui est sur la marche huileuse voit les flammes et il arrête l'ascension et il redescend. Ok, ça marche. Bah, je vais retenter en fait, en les voyant descendre. Je vais continuer à me concentrer. D'accord, je retente. 20, putain, c'est pas possible. Tu perds ton PV à chaque fois? Ouais. Tu en tires quand même une chose, ceci dit, c'est que... J'ai envie d'un corps. Ouais, non.
Non, pardon, j'ai rien dit. Il y a quand même quelque chose d'enveloppant dans cet endroit-là, lorsque tu fais appel à un pouvoir de feu. T'as l'impression d'être dans un peu l'impression d'être à la maison, un sentiment de familiarité, mais de familiarité très austère, ouais. Quoi, comme si tu rentrais chez un père autoritaire et très violent. Et actuellement, les deux se sont retirés un petit peu et ils attendent plusieurs marches en dessous de toi. Et ils te regardent, mais ils font plus mine de monter maintenant. Ben, ok, ça marche. Je prends la lance avec moi, quoi. L'épée dans l'autre main. Et on va commencer une ascension encore plus longue, où je vais monter une marche, regarder derrière moi et continuer, tu vois, voir quel est leur comportement. Ça marche. Pendant un moment, ils avancent pas et ils ont l'air de se disputer. Et au bout de 10 minutes, peut-être, tu les as vus redescendre. Ok. Ouf. Eh bien, je continue l'ascension. Ouais, je continue, je garde les deux trucs en main. Je pense que je mette de la lance pour... comme d'une béquille, tu vois, pour faciliter le truc. À un moment donné, je vais rengainer mon épée et puis je vais, tout en jetant des regards derrière pour vérifier qu'ils sont partis. D'ailleurs, je peux pas savoir, en fait, vu la structure de l'escalier. J'espère qu'ils sont bons, quoi. Tu peux bien voir l'escalier très 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 en contrebas, mais au bout d'un moment le niveau duquel tu viens ne t'est plus visible, quoi. Ouais. Bah voilà, je continue en tout cas. Très bien. On espère atteindre la plateforme un moment, quoi. Alors après un certain temps, effectivement, sans être dérangé, tu as réussi à atteindre le niveau supérieur. Ici, la plateforme, enfin disons que le cercle est beaucoup plus petit. Il y a quelques ouvertures qui correspondent aux endroits par lesquels les rayons de soleil des miroirs doivent traverser pour arriver en dessous. Mais cet endroit-là n'est pas un jardin, cette fois-ci. À cet endroit-là, le mur est marqué de bas-reliefs, de représentations diverses. Il y a des espèces de tentures, des sortes de drapeaux, de rideaux. Et un accès unique qui est très très symétrique à celui par lequel tu es arrivé dans l'œuf par en bas. Ouais. Il y a un grand couloir droit qui semble sortir vers l'extérieur. Et le grand escalier de bronze, du coup, continue à monter au-dessus de toi jusque dans les nuages. Ouais. Alors je vais regarder un peu tout autour de moi pour voir si je vois des gens, une menace, quelque chose, quoi. Premier réflexe. L'endroit a l'air absolument désert. Ok, bah je... Il y a une figure qui t'attire, ton regard. Figure gigantesque, sculptée dans la pierre en elle-même. Et une fois que tu en as vu les contours, ton œil la repère comme une présence, comme une personne réelle, même si ce n'est pas le cas. D'un grand être extrêmement noble, drapé de flammes et de vêtements somptueux, au visage masqué. Et il a une espèce de posture de régent, de roi ou de reine, au milieu d'une espèce d'assemblée de petites figures impersonnelles qui sont tout autour de lui, gravées sur le mur. Je pense que je vais faire quelques pas, tu vois, sur la passerelle, pour arriver assez vite sur le niveau qui fait tout le tour. Et je pense que je vais m'agenouiller complètement exténué devant cette statue, tu vois. Je vais fermer les yeux peut-être 3 secondes, tu vois, pour reprendre mon souffle. Et m'asseoir, tu vois. Regarder un peu autour, vérifier... que je suis bien seul. Tu n'es pas exactement seul. Ouais. En dehors des statues, en tout cas. Oui. Ouais, alors ce que je t'ai décrit comme une espèce d'assemblée autour de cette monument que tu as figure, ce sont des... C'est sculpté à même la roche, en fait. Ce sont des bas-reliefs. Par contre, c'est dans cette espèce de grande salle circulaire qui est donc occupée au centre par l'escalier de bronze,
Il y a un nombre d'espèces de petites bosses qui dépassent. D'espèces de sculptures de pierres blanches un peu étranges et qui, après une inspection un petit peu plus rigoureuse, te semblent être des personnes en situation de prostration, comme tu l'as été. Qui Ok. sont des statues en marbre blanc de personnes prostrées devant cette grande figure. Ah oui. Je pense que je vais pas m'attarder là. Et je vais assez vite diriger vers la sortie. Avec peut-être un regard en arrière pour la grande statue. Donc tu sors vers les niveaux extérieurs, c'est ça? Ouais. Très bien. Avec l'ambition de revenir, mais en tout cas, dans un premier temps, m'éloigner. Eh bien, je vais te proposer de s'arrêter là pour aujourd'hui. Et bah ça roule. On a fait une petite séance, mais moi ça me va bien, et puis je pense qu'on a Ouais, très de la bien, ouais, matière pour pour la la suite. reprise. C'est parfait. Excellent. Eh bien, c'est parti pour les retours. C'est parti. T'as encore un peu la forme? Ouais. Alright. Eh bien, merci beaucoup, hein, pour la partie. Je vais dire ça à chaque fois, mais c'est toujours stop. J'étais étonné de la vitesse à laquelle je me suis remis dedans, en fait. Oui. Et c'était super facile quoi. Cool. C'est d'habitude c'est pas le cas et ça me fait penser au truc que j'avais évoqué qui était hors micro avant la partie, qu'il y a un petit côté si jamais j'oublie des éléments moi en tant que joueur, mais en fait c'est assez raccord avec le jeu quoi. Ouais. J'ai pas à me souvenir de quoi que ce soit quoi. Il y a un objet que tu avais oublié là, ce fameux diadème, ça Ouais, m'a c'est ça, voilà. fait rire, parce que moi je sais ce que c'est, mais j'ai pas envie de te le dire. Mais c'est assez truculent que tu l'aies oublié. Ouais, ça va me revenir peut-être un moment, tu vois, mais... Et en fait, le fait de pas le savoir a un côté assez raccord, en fait, avec le jeu, quoi. Totalement. Ouais, d'où le fait qu'on évoque dans la fiction que plusieurs semaines qui se soient passées, comme dans la réalité avec les vacances d'été. C'est très naturel, en fait, pour moi, quoi. Ouais, pour moi aussi, c'était vraiment nécessaire de se dire ça, de faire une plus large ellipse pour ellipser le, enfin pour repartir sur un nouvel arc, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une, si on voulait distinguer, découper le jeu en arcs, il est clair que tout ce qu'on avait fait jusqu'à la précédente séance, c'était un premier arc, quoi. Ouais. Là, on attaque un deuxième, visiblement. Ouais, le premier, pour moi, c'est ouais, l'arc de la descente aux enfers, quoi. Je vois comme ça, quoi. Clairement ça. Mais ouais, très très naturel, donc très plaisant pour le coup. Donc voilà, donc et puis la partie super cool. Bah, y a toujours. Enfin, ça fonctionne. Enfin, j'ai l'impression que maintenant le système de jeu est rodé, tu vois. Il y a un côté Ouais. je sais où je vais. Y a le compromis dont on parlait, exploration, survie, tout ça. Et tout ça est bien mis en place et j'ai toujours cette tension-là qui reviennent. Très très spontanément, très naturellement, tu vois, j'ai pas du tout à me forcer, donc très très en place quoi pour moi. Cool. Donc voilà. Mais sinon, des nouveaux éléments par rapport à tous les trucs qu'on avait déjà évoqués jusque-là. Il y en a quelques-uns. C'est intéressant, j'ai un sentiment de, je sais pas comment l'évoquer, mais de puissance esthétique. Tu as utilisé le mot monumental. Je crois qu'il y a un ensemble de mots en fait. Qui caractérise le jeu cimetière. Et monumental, je le mettrais dedans. Parce qu'il y a vraiment Ouais. ce souffle-là, tu vois. J'avais déjà utilisé funéraire comme terme, comme ça. Et Ouais. monumental, ça effectivement de. En fait, c'est une espèce de royaume dont il ne reste que le souvenir. Le souvenir d'une grande histoire, c'est d'un monument, Ouais. effectivement. Et la Ouais, c'est citadelle ça. incarne beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est le premier environnement que l'on voit qui a quelque chose de majestueux. C'est-à-dire que la seigneurie Ouais. de Borheim, c'était des bouts de ficelle, le caveau, c'était assez pauvre et dénué, et puis la forteresse profonde, c'était l'horreur, quoi. Ouais. Et là, on est face à un truc pour le coup où il y a du faste, ce qui
ce qui exulte plus vraiment la même terreur, la même. D'ailleurs, je suis en train de... un truc. On parlait d'opposition symbolique. Un truc qui m'a fait marrer de jouer dans cette session que j'avais un peu prévu à l'avance, c'est des ennemis qui ont peur de toi et pas l'inverse. Ouais. Mais j'allais y venir à ça d'ailleurs. Ouais, je t'écoute. Et ouais, donc monumental, mais même tu vois dans le seuil, c'est monumental. La baronnie, tu vois, le fait qu'elle soit tranchée en deux par son milieu, c'est monumental aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des points. Le labyrinthe du caveau aussi, tu vois, c'est une forme d'horreur aussi. Enfin bref, c'est un qualificatif, moi, qui me convient bien. Mais il y a un autre élément aussi, par contre, alors je termine là-dessus et j'arrive après sur les petites créatures. Il y a un côté aussi, le fait que ce soit interactionnel comme monument, c'est super fort parce qu'en fait, tu vois, par exemple, on pourrait faire une partie un peu identique dans un Inflorenza ou un jeu à narration partagée. Mais en fait, je sentirais pas, j'aurais pas ce sentiment monumental. Parce qu'en fait, là, je l'explore vraiment, tu vois. Je suis vraiment face à des problèmes, tu vois. J'ai le problème du fait que j'ai pas assez d'endurance pour explorer le lieu, c'est quand même fou, tu vois. C'est-à-dire que je dois prendre en compte, dans mon gameplay, le fait que ce soit monumental. Je sais pas si tu vois la différence, ouais. Quoi. Alors, je sais pas si je te l'ai fait ressentir en termes de gameplay. Parce que je t'ai pas mais fait moi, je le ressens. Embêtant pour l'endurance. Ah, remarque que je t'ai fait... S'il y avait tout un truc autour du fait que t'étais bloqué dans un escalier gigantesque, en fait. Ouais, et puis tu vois, il y avait l'endurance, c'était long, je devais... En fait, le truc, c'est que pour faire mes choix, je suis obligé de prendre en compte ce fait, tu vois. Qui est un fait de design, de level design, tu vois. Mais faut que je prenne en compte ce fait pour pouvoir jouer et faire les bons choix. Donc en fait, ça s'imprime dans mon esprit de manière beaucoup plus intense, tu vois. C'est pas comme si on l'évoque, on le dit, ça rentre dans ma conception esthétique, et puis voilà, on joue avec. Non, je suis obligé de vraiment le vivre, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a vraiment un souffle, j'ai envie de dire épique, mais ce serait pas le bon terme. Mais donc ouais, ça m'a beaucoup fait ça, mais en fait, ça c'est le cas dans toutes les parties. Je le conscientise maintenant, parce que c'était vraiment très manifeste. Mais oui, et donc après, c'est clair que l'opposition symbolique, elle est très déstabilisante et en même temps très... j'ai presque envie de dire, c'est logique symbolique. Il faut se lever tôt, mais c'est vrai que les créatures qui ont peur de moi, c'est très déstabilisant, quoi. Et en même temps, c'est assez ouais, logique, quoi, d'avoir ces oppositions symboliques-là. Peut-être les gens qui écoutent l'enregistrement, si on a, ils se disent on raconte n'importe quoi, mais pour clarifier, on a le caveau, la descente aux enfers avec des adversaires qui me veulent du mal et qui sont agressifs. Et là, un lieu majestueux fait de roches blanches où je monte au lieu de descendre et où les adversaires ont peur. Et donc il y a une association entre la descente, la couleur noire d'ailleurs, l'ombre, et l'agressivité, et la montée, la couleur blanche, et l'inverse de l'agressivité, la peur. Et donc ça résonne un peu de manière symbolique. Voilà, je peux pas le dire mieux, quoi. Il faut y voir une poésie dedans. Indicible, par définition. Et donc ouais, il y avait ce sentiment qui était très clair, et c'est un autre type d'horreur pour moi, quoi. Vraiment, c'est... Ouais. Tu vois, tu me décris là les visages dans l'entrebâillement. Mais bon, de toute façon, c'était, je pense, très clair pour toi, pour moi, et ceux qui ont écouté. Donc, pas épiloguer dessus. À moins que tu aies des trucs à ajouter là-dessus, mais... Non, pas particulièrement, non. Globalement, ce que je veux vraiment de la citadelle disloquée, c'est que ce soit une zone qui domine les autres, au sens où bah, elle a ce côté majestueux et elle est physiquement au-dessus des autres. En fait, tu peux voir le reste du cimetière depuis là-haut. Et genre, moi, elle me servira. C'est aussi un des trucs pour lesquels je vais essayer d'y réfléchir pour la prochaine fois, c'est en te décrivant tout simplement les paysages que tu vois de là-haut. Elle me servira en fait de point central, de hub, en tout cas de point de repère, tu vois. La citadelle qui sert de point de repère, c'est un peu une... symboliquement, c'est un peu la flamme, tu vois. C'est l'espèce de... La torche au milieu de l'ombre qui te montre la voie, la chose lumineuse, ouais. Magnifique, quoi. Et elle va avoir un petit peu ce rôle-là. Et effectivement, comme tu l'as deviné, le but serait aussi d'y développer une forme d'horreur dedans qui est...
d'un espèce de ces empilements de murs vides et un peu étranges, tu vois, de cette... parce que je compte un peu sur le côté étrange à la fin de la citadelle. Ouais, ouais. Et le fait est que l'opposition symbolique ne va pas en faire un endroit qui était pour autant hospitalier, quoi. Au contraire, l'endroit doit être... que l'endroit soit imposant, quoi. Là, j'ai vraiment ressenti ce côté sphinx, quoi. Exploration de ruines. Ouais, il y a deux autres retours aussi. Alors, il y a un retour un peu plus linguistico-gameplay. C'est que je te pose des questions orientées en tant que PJ. J'ai remarqué ça, en fait. Je sais pas si je l'avais déjà évoqué dans un retour ou pas. Si, je crois que je l'avais déjà évoqué. Mais alors, j'avais déjà évoqué que je te posais des questions pour t'inciter à me donner des descriptions. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'utilise vraiment une technique. C'est que je te pose des questions du genre, est-ce que l'architecture est unifiée ou pas? Ou du genre, quelle est la couleur des pierres? Tu vois, c'est assez ciblé, quoi. Ouais. Et je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi j'ai l'impression à la fois te demander de faire un effort créatif ciblé vers des trucs qui m'intéressent, tu vois, je sais pas comment dire. Ouais, bah ça me donne... disons que ça me donne quels sont les éléments pertinents à te donner pour la description. Après, ça correspond justement à des choses que j'avais déjà pensé, quoi. Je la voyais, j'avais une vision assez claire de cette cité. Mais du coup, en fait, j'aime bien l'orientation que ça donne à la direction, la description, simplement, là, c'est aller directement dans mon sens, donc c'était pas, ça n'a pas de tordu, quelque chose particulière, quoi. Mais tu vois, ouais, y a un truc que je me dis, c'est que, donc tu sais, souvent, je te fais des oppositions binaires, tu vois. Est-ce que c'est plutôt unifié ou plutôt pas, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai ce sentiment, si tu veux, que toi, t'as pas forcément tout prévu en tant que meneur. En fait, c'est comment expliquer? Imagine, c'est que de la full impro, tu vois. Et tu sais pas trop, tu vois, t'improvises sur le moment. Et donc, tu me dirais, est-ce que c'est quoi la couleur des pierres? Et là, on pourrait penser, bon, bah, tu réfléchis, tu fais, ah, qu'est-ce qui pourrait être stylé? Bah, tiens, blanc, par exemple, tu vois. Mais en fait, quand je te pose les questions, moi, je suis dans une position un peu étrange, c'est-à-dire, en fait, je me dis que toi, même si t'as pas la réponse consciemment, il y a un truc qui va émerger, tu vois, de toi. Il y a une réponse un peu spontanée que tu vas me produire qui est cohérente avec l'ensemble du lieu, tu vois. Et qu'en fait, en te posant des questions comme ça, je vais un peu à la pêche aux indices qui sont en fait présents potentiellement dans ton inconscient. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'est pas forcément quelque chose que tu as préparé ou que tu as consciemment en tête, mais tu vas me donner une réponse qui est logique avec l'univers, tu vois. Mmh. Ouais, alors... Donc en fait, je... Ouais. Vas-y. Ouais, enfin c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est... Je me dis... Je pioche des indices dans l'inconscient de Félix pour comprendre la logique du lieu, quand bien même toi, t'aurais pas tout préparé, tu vois. Je me dis, il y a quand même une préparation. Ta préparation, c'est un peu ton inconscient vis-à-vis de ce lieu. Je sais pas comment expliquer mieux, en tout cas. Mmh. Bah, en soi, vu la façon dont je prépare, globalement, j'ai fabriqué un certain nombre d'éléments précis, quelques lieux spéciaux, quelques ennemis spécifiques, etc. Et dans l'ensemble, j'y vais un peu à l'arrache. Donc, j'ai besoin, effectivement, de compléter comme ça à partir de nos descriptions. Et normalement, il y a un truc dans le design qui est aussi, chaque lieu a sa symbolique, ses idées générales, ses grands thèmes, principes, quoi. Et je pense que dans l'esprit, il faudrait que ces quelques thèmes-là soient ce qui sert à te répondre, en fait. Tu dis que tu vas piécher mon inconscient, mais en fait, entre guillemets, l'inconscient, ça se game design aussi. C'est-à-dire que en ayant posé les thèmes généraux de tel ou tel endroit, ben, en fait, je te réponds en me basant pas juste sur la première idée qui me passe par la tête, mais sur ces symboles-là. C'est ce que je me dis, quoi. Donc, l'intérêt, c'est d'éviter le côté un peu plan-plan que peut avoir la première réponse. C'est-à-dire que, typiquement, si je fais des descriptions qui viennent immédiatement, elles ont fatidiquement quelque chose d'un petit peu faible. Il y a un élément de description du jour aussi qui vient de ma table aléatoire de détails bizarres que je vais utiliser pour peupler l'intérieur de l'œuf. En gros, j'ai une table aléatoire de détails étranges qui peuvent popper. Mmh. Un, c'était un jardin luxuriant avec, avec une source d'eau claire que j'ai mis en plein milieu, du coup. Ouais, c'était classe, ça, c'est clair.
Et sinon, ouais, plutôt que de passer par l'inconscient et par quelque chose qui, à mon avis, risque d'être un peu faible ou un peu minimaliste, quoi, j'ai essayé de... Normalement, je devrais essayer de passer par la symbolique. Mais je crois que mes domaines sont pas encore hyper bien écrits là-dessus. Ils sont pas assez recentrés sur un cœur malléable et utilisable comme ça, que serait la symbolique. C'est-à-dire que je l'ai pas utilisé, mais après, c'est peut-être juste parce que je l'avais bien en tête, quoi. Et je repousse toujours... Moi, j'ai un souci qui va peut-être se développer avec le temps à un cimetière, c'est pour remplir les lieux et pour développer le lore, au sens où il me manque un petit peu de mystère, il me manque un petit peu de questions plus précises qui sont posées que juste des grands lieux vides. Et ça empêche pas les parties d'être sympas, notamment parce qu'en fait, j'ai fait peser des enjeux sur la vacuité des lieux, typiquement... l'escalier, tu vois, était intéressant en tant qu'objet, sans avoir besoin que ce soit dans un endroit où il y a des choses, des objets, des trucs. Ouais, c'est clair, ouais. Et c'était assez minimal. En fait, c'était un peu du minimalisme de design, tu vois, ce qui est maintenant. C'est-à-dire, c'est juste les chemins que tu dois prendre, que ce soit les petites galeries, le grand escalier et tout. Les chemins sont l'essentiel du level design, en fait. Il n'y a pas autre chose que les chemins. Ce qui est assez intéressant, mais à un moment ou à un autre, il va falloir peut-être remplir. Et je commence à me dire, tu vois, que typiquement, le château de Monarque est potentiellement une zone que je vais créer vraiment salle par salle, en détail, contrairement à pas mal d'autres endroits, en fait. En fait, c'est surtout... je suis en train de me dire, le truc le plus problématique, c'est le remplissage, c'est-à-dire quels sont les objets, quelles sont les choses qu'il y a dans un endroit concret, qui sont souvent très intéressantes pour faire des tricks et pour avoir des idées, pour transmettre des idées vis-à-vis du lieu et de l'atmosphère aussi, mais qui peuvent être un peu... typiquement, là, tu vois, je t'ai montré... À un moment, je vais te montrer une espèce de gigantesque sculpture au mur qui est celle de, bon, tu l'auras deviné, hein, c'est de Monarque, ouais, évidemment. Et en fait, peut-être que si j'avais réfléchi plus longtemps, je t'aurais présenté soit quelqu'un d'autre, ce qui aurait été une énigme, soit Monarque avec quelqu'un d'autre, ce qui aurait été une énigme. Peut-être que je t'aurais présenté Monarque, mais dans une posture moins imposante et patriarcale. C'est con, hein, mais juste, tu vois, je vois bien que Monarque... est essentiellement masculin dans la façon dont je le mets en scène et dont je parle de lui, alors que dans mes documents de préparation, tu vois, il est son genre est pas fixe du tout, et selon les époques, il varie beaucoup, tu vois. Et si j'oublie ça, si je prépare assez rapidement, Monarque revient vraiment à une espèce de roi masculin très patriarcal. Ouais, ouais. Bah, en fait, là, je trouve que les lieux sont vraiment remplis. Pour moi, il y a... Je trouve le vide plaisant vraiment en termes de, tu vois, d'expérience de jeu, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait quand même les statues prostrées, le jardin dont on a parlé, les monstres, bateaux, les machins. Ouais, les bateaux, les trucs. Moi, je le trouve plutôt rempli, en fait, le jeu, en tout cas, de mon point de vue. Très bien. Ça m'a fait marrer, d'ailleurs. Ta réflexion vis-à-vis du bateau pour lequel tu as envisagé de partir. En fait, il y a un truc un peu méta, un peu rigolo, ce qui est que, d'une certaine manière, je passe mon temps à mettre sur ton chemin des possibilités d'abandonner, tu vois. La possibilité d'abandonner, ouais, clairement. La cabane, la possibilité d'abandonner et de reprendre le large, ainsi de suite. Ouais, mais ça, c'est très très bien. En vrai, tant qu'on est en train de continuer la campagne et que tu veux continuer, il y a quelque chose d'un peu cruel de ma part, tu vois, te mettre ces portes de sortie et te forcer à justifier que ton personnage ne les prenne pas, tu vois, et continue à s'enfoncer dans les épreuves de cimetière. Mais je trouve que c'est vraiment très bien, en fait. C'est vraiment super important, en fait, dans le jeu, pour moi. Ça me pousse à me reconfronter à la question... différemment, tu vois, avec des situations toujours un peu variées, quoi. Et donc c'est très bien. D'ailleurs, ça m'amène à mon dernier retour. C'est marrant parce que j'ai l'impression que plus ça avance, plus j'ai l'impression que j'essaie de constituer des souvenirs à mon personnage, tu vois. De lui donner vraiment une humanité. J'ai le sentiment que j'ai besoin de ça, tu vois. Genre de lui, tu vois, d'écrire la lettre pour Racine, de... Pareil, tu vois, cette cape, elle n'a pas d'utilité vraiment, on va dire, tactique ou je sais pas quoi, tu vois.
mais vraiment de lui donner une personnalité, de l'ancrer, quoi, de l'incarner. C'est vraiment une tentative pour mon perso. Je sens ça, quoi. C'est bizarre. Ouais, je comprends. C'est bizarre. En fait, ouais, c'est une espèce de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux choses, quoi. Il y a avoir une trace qui laisse une marque derrière toi, quoi. Tu as marqué au moins la mémoire de la bête, potentiellement, t'as commis des meurtres, t'as fait des choses derrière toi. Ouais. La trace, elle est en quelque sorte la preuve que ton personnage est passé par là. Et d'autre part, cette voile dont tu te drapes, évidemment, l'espèce de symbole royal, j'ai l'impression que c'est une espèce de... Le sens comme une armure, tu vois. On sait bien que... Ouais, exactement, ouais. On sait bien que le non-sens, c'est la mort dans le cimetière, que c'est le précipice final, quoi. Et le fait de prendre cette cape, moi, enfin cette voile, moi je l'ai vraiment senti, de mon point de vue, comme une espèce de déclaration de guerre, comme si tu disais « la quête pour le feu, je vais l'accomplir, quand bien même elle n'a aucun sens pour moi, je m'en fous ». Et en fait, ouais, en fait, je m'en fous pas vraiment, c'est-à-dire ça tient pour toi suffisamment pour que tu aies envie de l'arborer, quoi. En fait, c'est ça, je me drape de quelque chose qui a du sens, mais vraiment littéralement, quoi. Et je trouve qu'il y a une opposition. Et là, je pense qu'on va finir par parler philo, parce qu'il faut bien, hein, dans les retours. Il y a une opposition, je trouve, entre l'essentialisme par le fait et l'essentialisme par le symbole. Alors, je m'explique, c'est de toute façon, j'agis, tu vois. Et par mes actions, mes actions sont un reflet de ce qui a du sens pour moi. Parce qu'on est vraiment dans un enjeu nihiliste, là, c'est est-ce que des choses ont du sens pour mon personnage? Si oui, lesquelles? C'est ça aussi que pose Cimetière comme question. Et de par mes faits, et en fait, je suis obligé de faire des choses. Même ne rien faire, c'est faire quelque chose. Par exemple, si j'avais choisi de rester avec Racine ou même rester dans la cabane et dire c'est la fin de la campagne, et j'abandonne, et ben c'est un choix qui est super engageant. Donc c'est vraiment, ça montre ce qu'est mon personnage, tous les choix que je fais. Et en fait, je ne peux pas ne pas choisir. Ne pas choisir et déjà choisir, quoi. Mmh. Et ça, pour moi, c'est à chaque meurtre que je commets, à chaque moment où je dis bah, je continue et j'avance, à chaque fois que je fais quelque chose, ça a du sens, quoi. Ça montre ce qui a du sens pour mon personnage. Donc ça, c'est le premier volet, qui est inévitable. Et en fait, le deuxième volet, c'est de créer des signes qui ont du sens pour moi. Et ça, c'est évitable, c'est-à-dire que je peux ne pas le faire, et je sens que je commence à avoir besoin de le faire, c'est-à-dire à revendiquer des choses qui ont des significations pour moi, quoi. À revendiquer des symboles, à revendiquer, tu vois, la lettre pour Racine, à revendiquer vraiment une existence. Et pour moi, je le mets sur deux plans différents. Je sais pas si c'est clair pour toi, mais... Est-ce que tu peux résumer du coup cette opposition entre deux essentialismes? Bah, c'est pas très formel, mais ce serait un essentialisme de fait par mes actions et un essentialisme symbolique. C'est par les symboles desquels je me drape. Donc qui sont par exemple les choses que je vais dire. Tu vois, mon personnage était très peu loquace au début de la campagne. Presque parler en monosyllabes, tu vois. Et là, il y a mon perso qui se met à écrire une lettre très détaillée, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi tu parles d'essentialisme, en fait. En quoi est-ce que c'est essentiel? Bah, c'est-à-dire, c'est ce qui détermine l'essence de mon personnage. L'essentialisme au sens sartrien, tu vois. Genre, quelle est l'essence de mon personnage? Ouais, d'accord. Genre, mon essence en ce qu'il est constitué par mon existence, du coup. Exactement, ouais. Bon, dans une perspective existentialiste, toi, du coup. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Parce que moi, je voyais une espèce de combat... Il y a un moment que j'ai trouvé très symboliquement fort qui serait un combat entre un existentialisme et un essentialisme. C'est justement ce moment où tu te drapes d'une voile. Parce qu'en fait, ton personnage, on avait déjà parlé du côté un peu sartrien de ce personnage qui n'est que existence, en fait, qui se construit par ses actes, quoi. Et à y réfléchir, en fait, la royauté, à l'inverse, c'est vraiment le symbole de l'essentialisme absolu. C'est-à-dire, c'est que tu es roi par ta naissance, par ton sang, par ta nature, quoi. Et monarque semble incarner ça à fond. C'est-à-dire que c'est le monarque de ce royaume. Je l'ai appelé monarque, tu as remarqué évidemment la sonorité de ce nom, tu te doutes que c'est par essence un monarque, tu vois. Monarque est un monarque, le fait que
Je sais pas, moi, je le vois vraiment comme une espèce de, d'inspiration allégorie, de tous les monarques de ce moment. Ouais. Ouais, et donc, monarque, c'est au contraire un espèce de, d'absolu de l'essence, tu vois, quelqu'un qui est par nature, qui est ce qu'il est, qui est cette royauté par nature. Et toi, tu t'es... Tu vois, il y a son symbole qui est là sur la voile d'un navire, et toi, tu t'en saisis comme une chose qui, que tu intègres à ton existence, en fait. Enfin, c'est un message extrêmement fort, quoi. Moi, me semble vouloir dire un truc genre, monarque, je vais botter ton cul et je vais te dénier ton droit d'existence, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a ce phénomène, quoi, qui apparaît. Donc, c'est un truc émergent, quoi. C'est que, ouais. Ça, je le mets vraiment sur deux plans différents. Et pour terminer, c'est marrant parce que j'ai ressenti une dissonance pendant la partie entre deux phénomènes. Mais cette dissonance, pour moi, était vraiment très cool. Donc c'est la dissonance entre des moments de jeu qui sont plus philosophiques et symboliques, c'est-à-dire où je réfléchis plus à quel est le sens de mes actions. Genre... méditer, donner un biscuit au squelette, des moments comme ça, tu vois, et des moments vraiment ultra concrets, où je me dis, je mets de l'huile sur la marche, machin, tu vois. Et en fait, il y a des moments où je suis dans un mode et je sens qu'il faudrait que je sois dans l'autre, et d'autres moments où je suis dans l'autre mode et il faudrait que je sois dans le premier, tu vois. Des moments où je suis en... Par exemple, quand je suis dans un moment un peu contemplatif, il y a une partie de moi qui me dit « Mais attends, t'as des vrais problèmes concrets, là ?» Et il y a des fois où je suis dans des vrais problèmes concrets et je me dis « Faudrait que je sois plus classe que ça, tu vois. » Et je trouve que c'est une dissonance qui est ultra féconde, en fait, parce que ça fait que le jeu, il me fait jongler entre « Non, mais là, vraiment, t'as des problèmes à résoudre, quoi. T'as des choses à faire. » Il y a des choses vraiment que tu dois faire. Il faut que tu fasses un statement, tu vois. Il faut que là, ici et maintenant, tu me montres ce que c'est que pour toi exister dans cimetière, quoi. Avec des actions concrètes, parce que tu as des problèmes à résoudre, tu vois. Et en fait, c'est une incarnation de la philosophie, quelque part. Dans l'action, quoi. Ouais, donc, je comprends. C'est pas juste contemplatif, et je fais pas que raconter des trucs symboliques, un peu, tu vois... Et ça, c'est un truc que j'opposerais à la clé des nuages, vraiment. C'est que dans la clé des nuages, je peux me permettre d'être full symbolique et d'être vraiment à parler vraiment symbole de ce que ça m'inspire, tu vois. Est-ce que là, il faut que j'incarne la philosophie de mon personnage à travers des actions concrètes. Je peux plus me cacher, tu vois, derrière le symbole, en fait. C'est bon, parce que cette dissonance, moi, je la trouve pas résolue. Je pense qu'elle est intéressante à creuser. Parce que je l'ai notamment ressenti à un moment précis, c'est quand tu déposes le diadème sur au pied de cette statue. Ouais. En fait, autant, tu vois, la lettre que tu as laissée, c'est un élément de pure contemplation, ouais, dans un certain sens. Autant, là, moi, je me suis interrogé, est-ce que ça pourrait avoir un effet ou pas ouais. Parce que j'ai une espèce d'idée sur les statues, elles ont un peu un secret. Et j'ai envisagé certains effets que ça pourrait avoir. Et en fait, le raisonnement qui me vient immédiatement, il est très symbolique. Et il ressemble vachement au genre de pensée qu'on peut avoir quand on joue à, par exemple, Dungeon World ou ce genre de jeu très narratif. Parce qu'en fait, j'ai un peu pensé ça comme une forme de compensation, quoi. T'as fait un geste vers la statue, et potentiellement, on va faire un geste vers toi. Ou en tout cas, tu vas en retirer quelque chose, positif ou négatif, whatever. Ouais. Et en fait, que j'ai très vite envisagé comme un grain de narration, tu vois, un grain narratif, quelque chose qui vient s'inclure dans l'intrigue. Ouais. Et quelque part, je crois qu'en le faisant, j'aurais risqué de rompre un peu le côté OSR de cimetière, mais c'est-à-dire le fait que la contemplation puisse n'être que de la contemplation, c'est-à-dire, tu sais, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est l'idée que si tout a un effet, alors, ouais, mais je pense que ce serait un méta-narratif et qui n'est pas... Ouais, c'est clair. Et moi, je voudrais vraiment pas, ouais. En fait, je voudrais pas ça, quoi. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si jamais dans la logique OSR du jeu, toi, t'as dans ton idée, la statue, il y a une raison logique pour qu'il y ait un effet au diadème, et ben, tu me racontes les fesses, il n'y a pas de raison logique pour qu'il y ait d'effet au fait que je pose le diadème, bah, tu me dis, bah voilà, rien ne se passe. Et en fait... Oui. C'est quand même symbolique, tu vois, au fond. Il y a, comment dire, le... Et je pense que le
que tout est un effet positif ou négatif serait super mauvais en fait pour le jeu. Le fait que rien ne se passe, c'est super important, tu vois, pour Cynthia. Ouais. En fait, pour la symbolique du jeu, quoi. Il y a une faiblesse dans ce que tu dis, c'est, tu me dis, tu me dis un peu genre de dérouler la logique du monde en se disant, bah, est-ce que logiquement oui ou non il devrait se passer un truc. Le monde n'est pas assez tangible, concret et écrit pour que je puisse logiquement décider si oui ou non il se passe quelque chose. Et en fait, je peux justifier le fait qu'il se passe un truc, et c'est juste moi qui regarde ça en me disant, bah, en fait, c'est un peu trop distordu par rapport à ce que j'ai en tête, ouais. Et que ça c'est un peu artificiel, quoi. Mais du coup, c'est un jugement qui est plutôt arbitraire et qui n'est pas de l'ordre de la logique. Mais par contre, ce qui a été très amusant, c'est que je me suis dit, en fait, la tension ne passe pas inaperçue, mais elle n'aura probablement aucune conséquence palpable et mesurable. Et en fait, c'est une espèce de pur don envers moi. C'est-à-dire que moi, je sais ce que la statue en pense, ce qui se passe, mais je ne te le dis pas, je te le dirai pas, en fait. Donc c'est un truc assez amusant qui fait partie de mon jeu intérieur, de mon jeu personnel à moi, quoi, mais qui ne fait pas partie du tien, du coup, enfin, qui en fait partie différemment, plutôt. Je comprends la symbolique et je comprends l'effet, mais c'est un effet qui n'est pas visible pour toi. Ouais, mais moi ça me va, tu vois. C'est aussi ça fait partie du problème nihiliste, quoi, de la solitude, quoi. Genre je ne sais pas. Et je ne pourrais pas savoir quelque part, tu vois. Ouais. On ne peut pas communiquer, au fond. C'est aussi ça, quoi. Donc ouais. Très bien. Enfin voilà, donc je termine encore par une petite note philo. Parce que bah j'aime bien, quoi. Yes. Mais ouais, bah je sais pas si toi tu as d'autres éléments à évoquer. Non, rien de particulier, non. Bah écoute, merci encore. Et bah merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt pour un septième épisode, du coup. Yes. À plus YouTube. Merci encore de nous écouter pour ceux qui écoutent. Ça fait plaisir. Salut. Ciao.